On va aujourd'hui regarder les piscines les plus terrifiantes au monde qui pourraient abriter des secrets extrêmement étranges. Comme cette salle secrète d'une piscine qui au final cachait donc des toboggans mystères. À première vue, cette pièce fait quand même vraiment flipper. Mais aussi un tas de fails comme tout ce groupe de personnes juste ici qui sont tous tombés un par un dans la piscine. Au revoir. Bref, dès maintenant, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas vraiment être choqué. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube et mets un gros pouce bleu. Et dès maintenant, on est parti. Et petit sondage du jour, dis-moi dans les commentaires si toi tu sais nager. Et c'est directement parti comme vous pouvez le voir pour cette magnifique compilation de tout ce qui peut se passer dans des piscines. Et des piscines qui sont extrêmement dangereuses dans lesquelles on ne doit absolument pas aller. Ok, donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, on a une fille qui... Je crois qu'elle s'est amusée à aller dans une piscine pendant qu'elle était congelée. Et voilà ce qui s'est donc passé. Bon, on a pu le reconnaître. Attention, parce que lui, il est dans une piscine en pleine nuit, on dirait bien. Et oh, wow, il a fait tomber son pote. Ok, alors là, attention, on a des sauts de professionnels. Wow. Voilà, alors là, quelqu'un s'est fail là, par contre. Ok, donc là, on a la piscine d'une maison, comme on peut le voir. Découvrons un petit peu ce qui va se passer. Cet homme a l'air d'être vraiment sûr de lui, mais il ne sait même pas faire un salto arrière. Qu'il a essayé de faire un truc, je sais pas c'était quoi. Il a fait un plat plutôt. C'était pas quand même très très fou ce qu'il a fait. Voyons voir quelqu'un d'autre. Oh, il va faire un dunk. Oh non, le panier de basket, il va tomber sur lui. Oh ouais, et par contre, lui, il était à deux doigts de la mort avec ça, hein. Alors ok, donc là, on a une petite photo de famille, comme on peut le voir. Sauf que je sens que la photo de famille, il va finir dans l'eau, là. Il y en a une des deux qui va tomber en arrière. Ah, la fille qui piège sa maman, mais non, elle n'est même pas allée dans la piscine. Et là, elle a dû se faire un peu mal, hein, la pauvre. J'espère que tout va bien pour elle et qu'elle s'est pas cassée trois côtes. Parce que là, elle a dû faire une sacrée chute quand même. Oula, alors là, par contre, je crois qu'il y a quelqu'un qui a trop arrosé la piscine. Puisque regardez, ça va jusqu'à ras-bord carrément. Et ça dépasse même un peu la terrasse. Et puis le chien est allé dans la piscine. Ok, alors là on a deux filles comme on peut le voir. Et oh, il y en a une troisième. On l'avait pas vu celle-là. Ok, alors oh, ok, qu'est-ce qu'on a? Waouh, regardez cette fille là. Elle a pris toutes les... Oh, surtout ne vous amusez pas à faire ça chez vous. Comme vous pouvez le voir, c'était super dangereux. Oh non, la pauvre, elle a dû se faire mal. En même temps les potes, surtout super important, ne vous amusez pas à courir autour d'une piscine puisque ça pourrait être très dangereux. Vous pouvez glisser et vous casser la tête. Là ça va, elle est tombée dans l'eau, mais il y en a qui peuvent se casser la tête. Oh là, attention, mais il y a beaucoup de monde dans cette piscine là. Oh, mais qu'est-ce que vous faites tout cela là? Il y a beaucoup de monde dans la piscine. Regardez-moi ça, wow. Mais ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde dans la piscine. Ok, qu'est-ce que cette dame va faire? Je le sens pas du tout, je sens que... Oh, je sens que l'eau va se vider, je sais pas pourquoi. Je sens qu'elle va faire une bêtise. Ok, pour l'instant ça va. Ah mais en fait... Oh, bah voilà, c'était sûr. En fait, je me disais bien, la piscine est carrément trop remplie. Elle est tombée en arrière. Oh non, le petit chat. Ah, c'est connu que les chats n'aiment pas trop l'eau. Oh, attention, mon activité préférée, ceux qui font des sauts très bizarres là-dessus. Et oh, le plat. Eh, il vient de faire un plat tout simplement horrible. Oh, mais attendez, c'est quoi ça? C'est un lézard? Oh, what? En tout cas, il est allé dans l'eau, j'espère qu'il sait nager. Oh, visiblement, oui, il sait nager. Ah, il part attaquer le groupe. Ah, mais attendez, mais c'est quoi? Comment ça s'appelle? Je pense que c'est un lézard, ouais. En tout cas, eh, sacré lézard quand même, parce qu'il allait embêter tout le groupe qui était là-bas. Et là, dès maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc on est sûrement en mer pour commencer, c'est peut-être pas une piscine. Oh, mais c'est une raie? Attendez, j'ai pas bien vu, mais on a... J'ai l'impression que ouais, c'est une raie, c'est impressionnant. Mais oui, regardez. Oh, c'est une raie, mais elle est trop belle. Oh là 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 là. Eh, dans les commentaires, dites-moi quels sont à vous vos animaux de mer préférés. Est-ce que c'est peut-être les dauphins ou alors les, bah, les raies, hein, comme on en a vu, ou même les baleines. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on a vu une raie, c'est super impressionnant. Ok, alors là, on a trois... Ah ouais, la photo là, elle a un peu mal tourné. Alors qu'est-ce que ce petit garçon va faire là? Attention. Alors là, on a aussi un petit peu de monde ici. Je sens que le petit garçon, il va aller dans l'eau. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a envie de se rafraîchir un peu. Oh, attention. Non, elle va jeter le petit garçon dans l'eau. Oh, ok, non, elle n'a pas réussi à le faire. Oh, dans la trappe, il y a quelqu'un qui se cachait. Non, la mamie est tombée dans la piscine avec ce prank. Ah ouais, d'accord, ça a mal tourné pour la mamie le prank. Alors on a... Oula, attendez, qu'est-ce qu'il va faire lui? Je crois qu'il va sauter. Oh mais non, il a sauté sur quelqu'un. Oh là 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 là. Alors lui, il fait une grosse bêtise. Il est sur une échelle. Oh wow. Ok, bon, franchement, je pense qu'il aurait pu se faire bien plus mal que ça. Parce que là, c'était vraiment risqué ce qu'il faisait. Très dangereux. Mais bon, ça va. Il est juste tombé de l'échelle. Heureusement encore, hein. Ok, alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc encore une fois, c'est une piscine privée comme on le voit. Et on a du coup, bah, la dame en question.
Oh, elle s'est trempée, mais sauf que bah elle est tombée en arrière, à mon avis, je pense bien. Oh, je pense que ça va sûrement. Oh, mais attendez, ils sont en train de s'amuser avec le jet d'eau. Oh là, oh là là là, oh là là là. Alors lui, alors celui-là, il faisait un peu trop le malin, je trouve, parce que au vu de ce qu'il a fait, c'était pas fou. Attention, oh là 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 là, le plongeoir se rappellera de cette chute monumentale. Oh, mais attendez, mais en plus de ça, elle a cassé le plongeoir. Oh non. Ok, attention. Est-ce que cet homme va faire un saut stylé ou quoi? Découvrons. Ou est-ce qu'il va peut-être aussi casser le plongeoir comme ça? Oh! Il a défoncé le plongeoir! Oh là 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 là! Eh, vraiment, mais eh, ceux qui font des sauts comme ça sur les plongeoirs, n'importe quoi! Qu'est-ce que ce petit garçon va faire? Attention, il va sauter dans l'eau! Oh là 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 là! Il a dû se faire vraiment mal quand même avec cette chute mémorable! Oh là là là! Lui, par contre, il s'est carrément mis sur le toit pour aller dans le trampoline, mais malheureusement, il avait pas les jambes assez fléchies, ça veut dire qu'il s'est intercepté et je pense qu'il a dû se faire quand même mal. Oh là, lui! Oh, et les potes, très mauvaise idée aussi de faire ça, parce que vous avez vu, après, ça vous cogne la tête. Bon, je pense qu'il aurait pu se faire encore plus mal, mais ça va. Alors, qu'est-ce que lui va faire? Bah, sûrement la même chose, il va faire un salto arrière, mais il va complètement se louper. Oh non! Il a loupé la marche! Oh, le pauvre! Bon, ok, alors ici, qu'est-ce qui se passe? Oula, la piscine n'est pas en très bon état, là! Ah bah, après, peut-être que c'était l'objectif, hein, c'était de casser la piscine, mais en tout cas, regardez toute l'eau qu'il y avait dans la piscine! Oh, wow, il y a des milliers et des milliers de litres qui sont en train de se vider de cette piscine et personne ne dit rien. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, c'est une rame? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une épuisette. Ok, à mon avis, ils ont... Oh non, lui, il est tombé dans l'eau, le pauvre. Ok, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans cette piscine. Ok, alors on a une piscine comme on peut le voir et il y a des gens qui sont... Oh là, lui, il va faire un saut bizarre, lui. Oh! Bah écoute, il va falloir apprendre à mieux sauter avant de faire un truc comme ça. Wouah, mais attendez, mais regardez la taille de la piscine. Mais toute l'eau qui se vide. Eh, dans les commentaires tout de suite, à votre avis, combien de litres est-ce qu'il y avait dans cette piscine? Parce qu'avec toute l'eau qu'il y a là, c'est une inondation. Alors, qu'est-ce que ce petit va faire? Oh là, attention, il descend la piscine. Oh non. Oh, dernier moment, il est tombé carrément. Alors lui, il a une bouée, normalement, il devrait être en sécurité. Ah. Et bah même avec la boue, il a pas tout à fait réussi son saut. Oh, stylé la piscine. Oh là, ça c'est un peu moins stylé déjà. Il s'est pris la balle dans la tête. Oh là, oh ok, saut plutôt sympa. Sauf que le papa bah, va encore évidemment faire une bêtise et peut-être même casser le toboggan. Non, ça va, il l'a pas cassé, mais il est tombé en arrière. Ok, ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, ok, il a pas tout à fait réussi à sauter sur le petit truc. Attention, le bébé là. Attention, ok. Ok, pas mal, pas mal. Il a essayé d'aller dans la piscine, mais malheureusement, il n'a pas sauté assez haut. Oh là, qu'est-ce qu'elle va faire? Je sens qu'elle a une idée très farfelue dans la tête. Non! Elle va vider toute l'eau de la piscine! Voilà! Regarde, et puis l'eau, c'est très lourd, donc c'est compliqué. Ok, attention, saut en arrière. J'imagine que le tremplin va... Oh là là, mais c'est... Eh, mais les plongeoirs de toutes les piscines se cassent! Vraiment, faut faire des plongeoirs de 1000 kilos, là! Oh là, le petit! Il a pris toute sa vitesse pour même pas réussir à rentrer. Oula, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il est en train de resserrer un peu sa piscine, comme on peut le voir. Je comprends pas l'objectif. Ok, en tout cas, il... Oh non! Ok, il va vider la piscine! Mais il y a une fille dans la piscine, attention. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Non, on fait pas le poirier ici quand même. Ça peut être... Ok, ben ça va, il s'en sort bien. Oh là, alors lui par contre, je le sens pas du tout lui. Je le sens pas parce que si la vidéo continue, c'est que lui... Oh, oh oui, c'est parce que il allait se ramasser celui-là, c'était sûr en même temps. Bon, ça va, il... Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, il est tombé en arrière. Et pour l'instant les potes, il y a vraiment quand même beaucoup de fails de piscine. Hein. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt piscine à vagues? Est-ce que vous aimez les toboggans dans la piscine? Ou peut-être qu'est-ce que vous préférez, la mer? Oula! Alors là, ça met des coups de couteau à la piscine pour la vider. Mais alors par contre, faut faire attention quand on fait ce genre de choses parce que... Voilà ce qui se passe évidemment. Vous pouvez le comprendre, ça peut se vider d'un seul coup. Pour le coup là, ça peut être très très dangereux si vous êtes à proximité. Bon là ça va, il s'est pas passé grand chose. Oula, attention. Est-ce que vous pensez que ce petit va faire une chute ou est-ce qu'il va réussir son saut? Et bah ce sera une chute. Alors attention, on a encore... Eh mais vraiment les potes, aujourd'hui on est sur la spéciale tremplin. Tout le monde fait des petits plongeoirs et encore une fois, le plongeoir est cassé les potes. Non mais sérieux, ils cassent tous leurs plongeoirs. Voilà, attention, non! Oh non! Le bébé avait réussi son saut, mais le chien l'a poussé! Oh, ok, ça c'est un petit... Pff, oh là là! Il a même pas essayé de rentrer dans la piscine, là, il a vraiment fait n'importe quoi. Ok, alors attention, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Ok, il s'apprête à faire un super saut, mais finalement, il fait un plat tout moisi, tout dégoûtant, il était pas très beau ce saut. Alors, on a un chien, on a... Oula, me dites pas qu'il va faire caca dans la piscine quand même, parce que là, il est en position pour faire caca, les potes. Oh! Je crois que c'était ça,
oui. Oh, mais en tout cas, il a cassé la piscine. Oh là là, ça a mal tourné son caca à nos chiens. Regardez-moi ça. Ils viennent donc... Non ! La piscine qui se vide. Oh là 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 là, les potes. Mais toute l'eau qui sort, les amis, c'est impressionnant. Regardez-moi ça, ils partent attaquer la piscine avec des quads. Oh, mais ça, c'est du jamais vu. Mais waouh, impressionnant. Avec les quads, ils sont partis bousiller la piscine. Alors, j'espère que ça a un moteur quand même étanche, les quads. Parce que, au vu de ce qu'ils viennent de faire. Alors, par contre, faudra parler de l'état de la piscine aussi, qui était toute verte et toute dégoûtante. Alors, qu'est-ce que font ces deux-là? Oh non! Regardez-moi ça. Le papa a aussi décidé de vider la piscine. Et regardez ça. Ils ont donc tous et bien pris l'eau. Et ils se sont pris une sacrée vague, à mon avis. Hein. Oh là 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 là. Ça a explosé la piscine. Et cette fille, je pense qu'elle est encore choquée de ce qui vient de se passer. Vu comment elle crie. Oh la pauvre. En tout cas, voilà. Ça fera un petit peu d'eau et ça arrosera bien les plantes avec tout ça. Hein. Regardez-moi ça, c'est absolument incroyable. Et regardez-moi un peu cette vidéo, comme on peut le voir. On se sent vraiment dans une ambiance extrêmement étrange. Une piscine qui est complètement vide avec absolument personne à l'horizon. Vraiment, ça met dans une ambiance complètement différente de tout le reste de cette vidéo. On sent vraiment une sorte de solitude et de vraiment de très grand vide dans cette piscine. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous serez capable d'aller à l'intérieur de cet endroit? Mais à première vue, c'est extrêmement terrifiant. Même si évidemment on ne voit pas de monstre ou quoi, dites-vous qu'à tout moment, derrière ces petits endroits, il pourrait y avoir un Oogie Woogie qui apparaisse et ça rendrait vraiment la chose bien plus flippante. Mais attendez, mais c'est quoi cette piscine où il n'y a absolument personne? Oh, c'est extrêmement flippant. Bref, je pense que nous, en tout cas, on va s'arrêter là. Si la vidéo t'a plu dès maintenant, pense évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube, liker la vidéo, c'est extrêmement important. Et dès maintenant, tu as deux nouvelles vidéos, une qui s'affiche ici et une juste là. Clique dessus et je te souhaite un bon visionnage.